pense que la Champions League, c'est l'une des plus grandes. Donc, en étant dans un club comme Manchester City, qui est actuellement l'un des plus grands, ben, forcément, c'est un objectif à aller chercher. Évidemment, c'est jamais facile parce que tu rencontres les meilleurs d'Europe, les meilleurs du monde. Et donc voilà, c'est pas facile, mais c'est notre objectif, évidemment. Yeah, it's obviously an objective for us. I think winning any competition is objective, and the Champions League is one of the biggest out there. The fact that I play for Manchester City, which is one of the greatest clubs, means that obviously it's an objective, but it won't be easy for us because we're going to come across some of the best teams, not only in the world, but in Europe. But to answer the question, yes, it is an objective. Bonsoir, Eric. Bienvenue, écoute. On passe. Une petite question autour de Nabil Fekir, une petite assertion autour de lui. On sait qu'il avait fait particulièrement mal au match aller. Est-ce que du coup vous êtes attentif un petit peu à sa situation ou lorsqu'on joue dans une équipe comme Manchester City, où on porte l'adversaire finalement, ça n'a pas trop d'importance? Forcément, ça a toujours de l'importance. Les joueurs importants sont importants dans le jeu. Après, nous, comme je disais, on doit se focaliser sur notre travail, sur ce qu'on a à faire, pas forcément sur des joueurs concrets. Peut-être travailler avec son équipe. Pour que tout aille comme on le souhaite. Après, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours pareil. Après, voilà, comme je te disais, nous, on est prêts à jouer contre n'importe qui, on est prêts à jouer ce match. Vous pouvez juste répéter la question, s'il vous plaît, pour moi.